السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة باك أون بوش، إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الأولى، المستوى عفوا الثانية بكالوريا، فيما يتعلق بلا ديريفابيليتي ليكسبلوطاسيون دو كور، بمعنى كل ما يتعلق بقابلية الاشتقاق دالة. وغادي نتمحور هذا التمرين اللي اختاريته لكم حول كيفية استغلال أو كيفية استثمار منحنى ديال دالة معينة للإجابة عن مختلف الأسئلة، لأن هذا هو الشيء الذي يصعب على الطلبة. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو أمامكم. Vous avez une courbe d'une fonction qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 3. Alors, à partir des questions qu'on vous pose, vous allez répondre aux questions suivantes. Déterminer f' de 2, toujours en donnant une justification. Déterminer la dérivée à droite du point 1, toujours justifié. On vous demande est-ce que f est-elle dérivable à gauche en 1, justifié. Déterminer la limite de f de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche de 1. Et vous allez finalement dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc ça, c'est le tableau de variation de f. Voilà. Donc, essayez de stopper la vidéo pour relire convenablement ces questions-là. Et vous allez répondre, bien sûr, en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors, je passe maintenant à la correction. La première question, déterminer f' de 2. Alors, d'après notre graphe, vous remarquez bien sûr que, je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus clair. Donc, ici, ça représente quoi? Ça représente ici un extrémum, c'est-à-dire un maximum, si vous voulez. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle, on peut dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle dans lequel je travaille, c'est-à-dire surtout si je choisis par exemple 1, 3 pour être plus correct. Donc si je travaille dans l'intervalle 1, 3, je remarque que quel que soit x appartenant à cet intervalle, f de x est toujours inférieur à f de 2. Alors, 2, ça représente quoi? Un maximum. Alors, pour chercher le maximum, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On détermine toujours, on cherche où il s'annule la dérivée. C'est-à-dire, lorsque je cherche à quel point il s'annule la dérivée, donc ça va me donner x, c'est quoi? C'est le maximum que je cherche. Donc, c'était 2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à cela? Donc, on va dire que f' de 2, c'est le point où s'annule la dérivée. C'est-à-dire que f' de 2 égale à 0. Pourquoi? Parce que en 2, voilà, en 2, dans l'image, c'était égal à 1. En ce point-là, il y a une tangente horizontale. Voilà. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'est déterminer f' de 2. Donc, je ne sais pas si j'ai de l'espace, je n'ai pas laissé de l'espace, mais je vais vous donner comment on cherche. Donc, f' de 2, c'est quoi? C'est la dérivée à droite de 1. C'est-à-dire, remarquez, à droite de 1, il y a une tangente que vous voyez devant vous sur le graphe. Alors, pour chercher l'équation de cette tangente, que je peux noter en rouge l'équation de la tangente t, alors, normalement, l'équation de la tangente, ça s'écrit comment? Y est égal à f' à droite de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Comme f de 1 égale à 0, il reste tout simplement cette équation. Et vous savez que la droite, bien la tangente, est une droite, bien sûr, de type AX plus B. Donc, je dois chercher A et B. Alors, pour chercher A et B, j'ai F de 1 égale à 0. Je vais remplacer donc X par 1. Ça veut dire que A plus B égale à 0. Et j'ai f
je choisis deux points, par exemple f de 2 est égal à f de 2 égale à quoi? Est égal à 1. Donc f de 2 est égal à 1, c'est-à-dire si je remplace x par 2, j'aurai 2a plus b égale à 1. Donc à partir de ce système d'équations, je peux noter ça, c'est l'équation 1 et ça, c'est l'équation 2. Donc l'équation 2 va me permettre de dire, voilà, 2a plus b. B c'est quoi? B c'est quoi? B c'est moins a. Puisque a plus b égale à 0, ça veut dire que b égale à quoi? Est égal à moins a. Tout ça est égal à 1. Donc ça veut dire 2a moins a, c'est-à-dire c'est a. Donc a est égal à 1. Et par conséquent, b est égal à moins a, c'est-à-dire c'est moins 1. C'est-à-dire que l'équation de la tangente, ça devient y égale à quoi? Est égal à ax plus b. Alors ça, je vais le noter ici parce que je n'ai pas d'espace. Donc c'est x moins 1. Donc, regardez ici x moins 1 fois f' de x. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que f' de droite de 1, ce sera donc x moins 1 sur x moins 1, donc c'est égal à 1. Donc voilà comment on détermine la dérivée à droite de 1. أتمنى أن يفهمني الجميع لأن هذو من الأسئلة التي هي تجد صعوبة لدى الطلبة. إذن فوالا بالنسبة جاوبنا على السؤال الأول والسؤال الثاني. غنمشيو دابا بقية الأسئلة. السؤال ثلاثة. إذن السؤال ثلاثة قال لك f est-elle dérivable à gauche de 1. دونك remarquez sur le graphe تلاحظوا بأن كاين à droite de 1 il y a une tangente mais à gauche de 1, il y a une tangente qui est verticale, orientée vers le haut. Ça veut dire que f n'est pas dérivable à gauche de 1. Donc, ce qu'on va noter, donc, tout simplement, en disant que sur le graphe, on remarque qu'on a à gauche de 1 une tangente qui est verticale orientée vers le haut et cela bien sûr explique que f n'est pas dérivable à gauche de 1. Alors la question 4, ça se déduit à partir de cette question 3. Donc la limite de f de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins n'est autre que la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x que je peux écrire comme étant f de x sur f moins f de s sur x moins 1. Et ça se rappelle l'étude de la dérivabilité à gauche de 1. Et comme on a dit qu'on a une tangente orientée vers le haut, ça veut dire que ce qu'on doit trouver, c'est l'infini. Mais puisqu'ici, il y a un moins ici, donc je dois faire un moins ici. Pour que le moins fois le moins, c'est un produit, ça donne plus. Et plus, ça va vers le haut. Alors faites attention à ce sens intrigue que je vous le rappelle. Donc voilà la limite de f de x sur x moins 1 lorsqu'il tend vers 1 moins. Donc il me reste maintenant le tableau de variation sur l'infini moins l'infini 3. Alors, ça c'est la question 5. Donc voilà, je vais, donc moins l'infini jusqu'au 3. Je vais noter ici la dérivée f' de x et f de x. Alors on a dit que la dérivée s'annule au point 2. Donc voilà. Et vous avez en 1, la fonction n'était pas dérivable. Voilà. Alors, il faut compléter notre tableau. Donc, on a dit que limite de moins l'infini, d'à partir de notre courbe, on a dit que la fonction, si vous regardez bien votre courbe, donc la fonction de moins l'infini jusqu'au 1, elle est décroissante. Et de 1 à 2, elle est croissante.
et de 2 vers 3, elle est décroissante. Alors, à partir de cela, je vais écrire notre tableau, compléter notre tableau de variation. C'est-à-dire que ici, elle est décroissante. Donc ici, elle est croissante. Ici, on a dit elle est décroissante. C'est-à-dire que notre tableau sera l'allure, aura l'allure suivante. Voilà. Avec f de 3, c'était bien égal à 0. F de 1 est égal à 0. F de 2 est égal à 1. Et limite d'IL moins l'infini, c'était plus l'infini. Voilà. Alors, voilà notre tableau de variation. Donc, voilà, c'est un exercice plus ou moins compliqué parce que la plupart des étudiants ne travaillent pas ce genre d'exercice, pour raison pour laquelle je vous propose cet exercice, parce que on ne sait jamais si, bien sûr, le jour de l'examen national, on pourrait vous proposer ce genre d'exercice, c'est-à-dire de passer de comment exploiter une courbe pour pouvoir répondre aux différentes questions. Alors, je vous laisse le soin de répéter cet exercice et de le partager avec vos collègues. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite vous retrouver dans une autre séance.